Les usagers du transport aérien se plaignent des retards. Certains de ces retards sont dus au contrôle aérien qui n'arrive pas à faire face à l'augmentation du trafic en Europe. Cette situation risquant d'empirer, les compagnies aériennes ont exprimé leur vive inquiétude. Les ministres des Transports européens ont pris des décisions importantes et, en avril 1990, ont défini un programme d'harmonisation des systèmes de navigation aérienne en Europe. Ce programme doit augmenter leur capacité tout en maintenant la sécurité. Il doit être achevé pour l'an 2000. Dans ce cadre, la France poursuit le programme de modernisation de son système informatique pour le contrôle du trafic. En particulier, les positions de contrôle actuelles, vieilles de 15 ans, seront remplacées par les postes FIDIAS. Dans les salles de contrôle actuelles, une position est en fait un ensemble d'outils avec un agencement fixe. Ces moyens de travail ont été étudiés d'abord pour le contrôleur radar. Le contrôleur organique, lui, doit s'en accommoder. Les modules de contrôle de nouvelle génération sont tous identiques. On verra plus loin comment ils sont fonctionnellement adaptés au travail de chacun. Les matériels étant les mêmes, les modules individuels sont dits banalisés. Ils ne limitent pas les possibilités d'aménagement de la position de contrôle et le contrôleur organique peut se placer à droite ou à gauche du contrôleur radar. Tout avoir à l'écran peut sembler surprenant. Pourtant, c'est un bon moyen pour regrouper les différents types d'informations et limiter ainsi leur dispersion. FIDIAS est un périphérique multifonction. Les données de plan de vol et radar ne sont plus séparées. Ces différents types d'informations s'enrichissent et se mettent à jour mutuellement. Différentes images sont présentées dans ce que l'on appelle des fenêtres. Cette technique, dite du multifenêtrage, permet une intégration maximale des informations et laisse libre l'agencement de l'écran. Grâce à la souplesse d'affichage offerte par le nouveau système, on spécialise les présentations d'informations. Sur une même position de contrôle, les deux contrôleurs organiques et radar n'ont pas les mêmes besoins en informations. Par exemple, le contrôleur organique et le contrôleur radar peuvent avoir chacun leur propre tableau de strip avec un format différent. De même, les outils d'aide au contrôle et les dialogues peuvent être spécialisés pour chacun des contrôleurs de la position.
Le système actuel, notamment sur le strip papier, présente en permanence au contrôleur beaucoup de données d'importance inégale. Le système FIDIAS affiche toutes les informations à l'écran. Cela ne veut pas forcément dire les afficher toutes en permanence. Elles ont été classées en deux catégories. Les informations jugées indispensables en permanence sont toujours présentées sur un des écrans. Les autres sont disponibles à la demande, par exemple la route de l'avion sur le strip ou encore la route graphique de l'avion sur l'image radar. Sur l'image radar, on peut aussi demander un extrait du plan de vol sous la forme de ce que l'on appelle une macro-étiquette. Aujourd'hui, dès qu'un strip papier sort de l'imprimante, les informations qu'il présente sont périmées, à moins d'une mise à jour manuelle. La présentation électronique de FIDIAS permet une mise à jour continue des informations, par exemple, la route future de l'avion ou son altitude. Les nouveaux strips sont présentés à un endroit particulier de l'écran pour les distinguer des strips déjà intégrés. Après intégration explicite d'un strip par le contrôleur radar, le système peut le classer automatiquement ou bien c'est le contrôleur qui le fait manuellement. Pour le contrôleur organique, le système peut, là encore, classer automatiquement le tableau de strip, mais le contrôleur peut aussi intégrer manuellement un strip. Ou le reclasser. Ou encore le retirer par anticipation. Les strips retirés par anticipation vont dans une poubelle à partir de laquelle le contrôleur peut à chaque instant les reprendre, soit pour les consulter à nouveau, soit pour les remettre dans le tableau. Et quand un avion arrive en fréquence sur le secteur suivant, quel que soit le mode de gestion des strips, le strip de cet avion pourra être retiré automatiquement. La couleur est depuis longtemps utilisée dans le contrôle aérien pour distinguer les flux d'avions grâce aux portes strip. Les écrans FIDIAS offrent d'autres possibilités d'utilisation de la couleur, mais celle-ci doit rester significative et être utilisée avec discernement. Une utilisation possible consiste à coder les états du vol. Par exemple, en couleur saumon, les mouvements proposés en entrée, en blanc, les vols assumés, c'est-à-dire en fréquence sur le secteur, la balise de sortie en saumon pour les vols proposés au secteur suivant, en gris, les vols assumés par le secteur suivant. On peut également coder les dialogues ou les alarmes.
Le codage des états du vol permet au contrôleur de connaître d'un seul coup d'œil les avions qu'il a ou va avoir en fréquence. Un vol est représenté de façon cohérente sur tous les écrans. Ces données sont mises à jour systématiquement. On peut toujours rentrer une donnée ou chercher une information sur un vol. Le vol n'est plus un ensemble de représentations disparates, mais une entité. Sur FIS, les communications se font directement à l'écran. Ce peut être une communication entre les contrôleurs d'une même position, tel qu'un warning, ou une préparation d'un niveau de contrôle. Ou encore des dialogues interposition, par exemple une demande de modification de conditions d'entrée ou de sortie. L'utilisation du téléphone est de ce fait considérablement réduite. Paris Daniel Red 54, reaching level 270. 854, red up, could you be climbing flight number 2900? Level 2900, 85. Les dialogues entre le contrôleur et le système s'opèrent à l'écran. Pour cela, le contrôleur peut choisir entre plusieurs outils complémentaires mis à sa disposition. En effet, il n'existe pas un outil unique permettant d'effectuer tous les types de dialogues. Pour les fonctions de désignation, le contrôleur a à sa disposition une souris ou une boule roulante. Paris, Monac 255, bonjour, level 270 now. Monac 255, bonjour, climb flight level 290. To level 290, expect pay 30 whenever you want. Yeah. Thanks. Paris, set to the new 165. Pour la saisie de données, il peut choisir entre ce moyen et un clavier, selon la facilité d'utilisation. In other, thank you, sir.
De plus, avec un écran tactile, il effectue des fonctions globales, par exemple, les différents réglages relatifs à l'image radar. Un des intérêts de Phidias est la possibilité d'introduire de nouvelles fonctions d'assistance. Ainsi, des outils de travail complémentaires, tels que le zoom, seront proposés. De plus, le fait de renseigner le calculateur rend les données plus précises et permet d'élaborer des aides au contrôle. On peut envisager par exemple des aides à la détermination des niveaux d'entrée ou de sortie, ou encore une présentation des avions potentiellement en conflit. D'autres aides, plus sophistiquées, verront le jour lors de l'introduction des liaisons de données air-sol et des systèmes experts. Phidias nécessite des études longues. Il intègre des avancées technologiques qui doivent être validées à chaque étape. Les spécifications sont venues de sources diverses. D'une part, le groupe utilisateur Phidias, animé par le SCTA, les groupes locaux Phidias dans les CRNA, d'autre part le STNA et le CENA. Un démonstrateur nommé Maya a été développé pour illustrer les spécifications rédigées par le groupe utilisateur. Il intègre les concepts d'interface validés au CENA. Un autre outil, connecté au COTRA et baptisé Démon, sera installé dans les centres de contrôle. Des maquettes flash aideront à étudier plus rapidement certains aspects spécifiques de l'interface homme-machine. Bon, Hervé, il serait bon que tu me mettes un warning sur ce vol. Avec le banc de test EGIAS, on effectue des simulations d'un très bon niveau de réalisme. Cette approche expérimentale est itérative. Les résultats d'une simulation sont injectés dans les spécifications de la maquette suivante. Elle est également orientée utilisateur. Des contrôleurs de trafic aérien ainsi que des ergonomes sont impliqués lors de l'expression des besoins et lors des expérimentations. Ah oui. L'ensemble de ces opérations aboutira à la définition du système qui sera installé en salle de contrôle. Gilles Rousseau, contrôleur du trafic aérien. L'utilisation de Phidias va provoquer des changements importants dans l'exercice de notre métier de contrôleur. Mais l'effort d'expérimentation et de validation
rassure quant à la construction d'un outil véritablement adapté. Les contrôleurs, qui ont déjà été confrontés dans le passé à des évolutions importantes, sauront assimiler ces changements au prix d'un effort évident de formation d'autant plus nécessaire qu'avec l'intégration de nouveaux outils, Phidias continuera d'évoluer.